Roquebilière, c'est encore autre chose. Des gens tenaces à faire douter une tique de sa vocation. Ils ont subi leur lot d'éboulements et d'inondations comme le reste, mais eux ils n'ont pas lâché l'affaire. Six fois ils ont déménagé et reconstruit leur village, six fois ils sont montés et descendus dans la vallée, d'un côté à l'autre des gorges. L'ancien nom de Rocabira est devenu Roquebilière. Beaucoup sont morts et d'autres sont nés, la rivière les a poussés plus loin, et ils se sont laissés porter. Voici un extrait de la sixième page d'un des livres dont je vais vous parler ici. Vous pouvez checker dans la description si vous avez trouvé. Hello et bienvenue à la sixième page où l'on discute lecture façon book club. Pour ce premier épisode de podcast, je me suis dit que vous faire une rétrospective de mes lectures de l'année pourrait vous donner un très bon aperçu de ce que je peux lire, de mes goûts, vous permettre aussi de savoir un petit peu dans quoi vous allez vous embarquer avec moi. Et puis après, je vous ferai un petit récap en statistiques de ce qu'ont donné mes lectures de l'année, suivi de quelques objectifs livresques pour 2024 qui démarrent. Pour commencer, je dis souvent que je lis beaucoup et un petit peu de tout, parce que c'est ce qui me définit le mieux. J'ai lu environ une cinquantaine de livres par an depuis quelques années globalement depuis que j'ai découvert le côté obscur de YouTube et d'Instagram avec tous ces gens qui parlent de livres, tandis qu'avant je lisais plus ponctuellement. Cette année est un petit peu une exception pour moi parce que c'est 92 livres que je coche lu sur Babelio, qui euh, d'ailleurs est l'application sur laquelle je répertorie mes lectures. Alors autant vous dire que j'ai eu du mal à faire une sélection dans tout ça, et d'ailleurs au départ je m'étais dit tiens je devrais faire un format 23 livres pour 2023. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que ça allait être juste complètement indigeste pour vous, mais aussi pour moi, puisque mine de rien, tout ça, ça demande de la préparation. Alors je suis partie sur mes 6 meilleures lectures de l'année, même s'il y en a plein d'autres qui mériteraient leur place ici. Vous en entendrez de toute façon parler dans d'autres épisodes. Cette année a donc été vraiment riche en lectures, elles ont été variées, même si certains genres que j'aimerais découvrir ou approfondir manquent encore à l'appel. J'ai pas mal hésité aussi sur l'ordre de présentation que j'allais donner à tout ça, mais j'ai opté pour un ordre chronologique de mes lectures, tout simplement. Et l'année a commencé en beauté, puisque ma première lecture de janvier est à la saga Vampiria de Victor Dixen, que vous pouvez retrouver dans la collection R de Robert Laffont, en brochet et aussi en collector. Et par contre je ne crois pas qu'il y ait encore de poche, et j'ai vu qu'il y avait une BD qui avait été publiée. Maintenant, de là à savoir si c'est la même histoire ou plutôt quelque chose de complémentaire, ça je ne sais pas. Alors oui, je mets tous les tomes, parce qu'en général j'enchaîne les tomes de saga, j'aime pas trop les étaler dans le temps, et en l'occurrence pour Vampiria, c'est l'intégralité de la série que j'ai adorée. On y suit une jeune fille, Jeanne, fille de Rossurier, dans un Versailles un peu particulier, dans lequel l'illustre roi soleil Louis XIV ne s'est pas éteint le 1er septembre 1715, après ses 72 ans de règne. Désormais roi des ténèbres, Louis XIV règne toujours sur la France en tant que premier humain transmuté en vampire. La société est alors scindée en deux, les nobles vampires d'un côté et le bas peuple de l'autre. Ces derniers payent d'ailleurs chaque mois une dîme leur propre sang. C'est donc 300 ans après la transmutation du roi que Jeanne, suite à des événements tragiques, va se retrouver projetée à la cour, seule manière pour elle de rester en vie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce roman, oui, c'est sûr, c'est déroutant, voire complètement délirant. Et personnellement, le synopsis m'attirait mais alors pas du tout à chaque fois que j'entendais en parler. J'adorais les vampires quand j'étais ado, vraiment. À chaque Halloween, c'était mon costume préféré. Je vouais un culte absolu à Twilight. Mais disons que ces dernières années, les choses ont bien changé et que les vampires étaient vraiment loin d'être des créatures ou des sujets qui m'intéressaient en littérature ces derniers temps. Eh bien, figurez-vous qu'ici, on est bien loin de l'image un peu poussiéreuse du vampire, souvent très romancé, qu'on a vu et revu lors des années beatlit. L'univers est hyper riche, l'intrigue est vraiment bien construite et elle prend vraiment à la gorge sans mauvais jeu de mots. J'ai adoré suivre Jeanne dans ses cours de bonne manière, de combat, d'équitation, trembler pour elle. C'est un personnage entier, elle est forte avec ses qualités, ses défauts. Elle a un objectif, la vengeance, et elle est prête à tout pour ça. Les autres personnages ne sont cependant pas en reste, puisqu'ils sont complexes, développés, ils gravitent plus ou moins autour de Jeanne. Alors, amis ou ennemis, je vous laisserai les découvrir. Et parce que je peux pas résister, j'ai bien évidemment eu un gros coup de cœur pour Lord Sterling, le punk anglais, ceux qui l'ont déjà lu ne peuvent qu'approuver. Le roman est haletant, captivant, sombre et sanglant. Et ça, on le comprend dès le début, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. En fait, avec cette lecture, je m'attendais à passer un moment sympa. Et au final, j'ai été juste complètement embarquée dans l'univers et dans l'imagination débordante de Victor Dixon. Je recommande à 100%, c'était incroyable. Je conseillerais tout de même pas pour tout public, déjà c'est clairement pas jeunesse. Plutôt Young Adult, encore que dans mon souvenir, c'est quand même assez gore. Ça a été aussi pour moi l'occasion de découvrir Victor Dixon et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres qu'il a pu écrire, surtout la saga Phobos qui me fait très envie, mais aussi la suite de Vampiria qui prend place en Amérique. J'ai lu Extincta cette année, surtout pour la dimension environnementale, mais alors j'avoue que la lecture ne m'a pas du tout convaincue. Dans l'ensemble, j'ai pas trop aimé, mais je m'en formalise pas. Vampiria a largement su éclipser tout ça. Pour la lecture suivante, on parle vraiment d'un énorme coup de cœur. Il s'agit de Et le désert disparaîtra écrit par Marie Pavlenko et publié en brochet aux éditions Flammarion Jeunesse et aussi en poche chez J'ai lu. Alors là, on est sur un livre qui m'a beaucoup touchée et questionnée. C'est un très beau livre, assez court, dont je ne vais pas parler en détail parce que j'ai un épisode dédié à ce genre de roman qui arrivera très prochainement. Mais pour vous donner quand même un petit peu envie de le découvrir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre la vie avec un grand V. C'est l'histoire simple d'une découverte qui changera sa vision d'habitante du désert. C'est l'histoire de sa rencontre avec un arbre et de tous les phénomènes qui l'entourent. On parle de cycle de la vie, d'écologie, de rapport à la nature, et c'est vraiment magnifique. J'ai lu que certaines personnes en parlent comme une fable ou d'un conte, et c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. C'est un véritable hymne à la nature. Donc vous l'aurez compris, lisez-le. Alors le prochain, c'est un livre qui a pris une grande place dans mon cœur. C'est comme pour Et le désert disparaîtra, à peine terminé, j'avais déjà envie de les relire. Et effectivement, il s'agit encore d'un titre de Marie Pavlenko avec Un si petit oiseau, publié en brochet aux éditions Flammarion Jeunesse et aussi en poche chez Paul Fiction. Pour celui-ci, je vais vous lire le résumé officiel parce que je trouve qu'il est très bien. Abby est une jeune fille heureuse. Sa famille, son petit ami, son avenir, tout autour d'elle est en harmonie jusqu'à l'instant où sa vie bascule. Son avenir tout tracé s'enfuit, son quotidien facile aussi. Alors Abby va écouter le bruit du monde, se fondre dans la nature et laisser les sensations revenir. C'est une très belle histoire qui apporte un regard sur le handicap, la résilience, sur l'adolescence, mais aussi sur le rapport d'une jeune fille à la nature et aux oiseaux. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre, j'en garde un très beau souvenir, alors je vais juste vous lire quelques lignes qu'on trouve au dos du roman et qui illustrent à la perfection la plume de Marie Pavlenko et le ton du récit. Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre, sous elle celui des hommes, des arbres, des animaux ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense. Et je vous jure que rien que de relire ça et d'y repenser, je suis hyper émue. Donc encore une fois, Marie Pavlenko écrit un roman sensible, humain, d'une justesse folle, avec de l'humour, de l'amour, de la dérision, de l'espoir. L'écriture est à la fois simple, enfin j'entends simple dans le sens euh, abordable, et c'est à la fois poétique. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai appris des choses, et surtout, à la fin de ma lecture, mon monde s'ouvre un peu plus. Livre suivant, et une fois n'est pas coutume puisque ce n'est pas un roman. Je lis encore peu d'essais et de livres documentaires, mais ça m'intéresse de plus en plus, et donc c'est vraiment en cherchant des livres sur l'écologie qui offrent plutôt des solutions et pas seulement un constat, ce que je trouve particulièrement déprimant, que j'ai trouvé ce livre qui est donc La Révolution des algues par Vincent Doumazel, sorti en brochet aux éditions des Équateurs et en poche chez Gélu. Déjà, il faut savoir que Vincent Noumézel est conseiller océan au Pacte mondial des Nations Unies et directeur des programmes agroalimentaires à la Fondation Lloyd's Register de Londres. Donc on a vraiment le point de vue d'un expert sur la question, et ça, ça aide. Ça doit être à ce jour un de mes livres les plus annotés, enfin pas vraiment annotés, mais disons surlignés, postités. C'est un livre hyper intéressant, et j'avoue que jamais j'aurais pensé pouvoir lire... 300 pages sur les algues, et eh bien étonnamment ça c'est vraiment très bien fait. On aborde tout ce que l'intégration des algues dans notre quotidien pourrait changer pour la planète, et ce à divers niveaux. On a donc un découpage par domaine que l'intégration des algues pourrait améliorer, notamment l'alimentation, la santé, mais aussi d'un point de vue social, économique, au sein de la construction, de l'industrie, etc. C'est un livre qui donne plein d'espoir, qui m'a vraiment fait du bien. Vincent Doumézel souligne le potentiel que représentent les algues dans un monde en crise, et où, du moins dans la culture occidentale, on ne leur offre pas vraiment une place de choix. Et si vous vous demandez comment on en arrive à lire 300 pages sur les algues, quand on ne lit quasiment que des fictions, il faut savoir que j'ai un peu des phases obsessionnelles, et donc en l'occurrence, j'ai eu une grande passion pour les algues il y a quelques mois. Alors, c'est quand même lié à mon domaine d'activité, hein, ça sort pas de nulle part non plus, puisque je suis designer et que c'est une, une matière qui m'intéresse. Et puis j'ai toujours aussi cet attrait pour les questions environnementales. En tout cas, un livre très instructif qui soulève plein de points, qui donne des réponses, des pistes et qui ouvre vers l'avenir. Et ça, ça change. Ensuite, un roman qui m'a beaucoup marqué cette année a été une de mes lectures d'automne C'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, publié chez De Noël. Alors je vais simplement vous lire le résumé officiel qui, ma foi, est très parlant. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Agonie et sorcière, félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger. Jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elle. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable. Et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, Voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. J'ai adoré ce livre euh, avec une histoire que j'ai trouvée hyper originale. La plume est très belle, très agréable à lire. La dimension magique est délicieusement amenée, avec les thés de félicité et les papillons d'agonie. La sorcière est complètement réinventée et les personnages sont absolument fascinants et dramatiques. Je ne peux que recommander la lecture de ce roman. J'ai été complètement charmée et chamboulée par le récit, par cette ambiance singulière, atypique. C'est assez étrange comme bouquin. Mais l'atmosphère particulière et intime qui est créée est tellement fantastique, c'est à la fois un peu creepy, flippant et cosy. Euh, oui, c'est possible. Alors, juste un conseil, munissez-vous de votre meilleure tasse de thé et d'un plaid, installez-vous près d'un feu de cheminée et délectez-vous de cette ambiance salon de thé. Et voici maintenant un de mes gros coups de cœur de cette année 2023, et je sais que j'arrive bien après la guerre. Puisqu'il s'agit du Faiseur de rêves écrit par Lenny Taylor et publié en brochet chez Lumen et en poche chez Paul Fiction. C'est une fantaisie orientale absolument magnifique en deux tomes, et croyez-moi, il faut les lire l'un après l'autre, c'est impossible de laisser du temps s'écouler entre les deux lectures. L'ambiance et l'univers créés ici sont tellement riches, beaux et sortent vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire. J'ai adoré le développement des personnages, du monde qui nous est proposé. On s'attache tellement à tout et on vit avec eux ce qui se passe. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai stressé. Et franchement, c'est pas souvent que je vis à, à ce point une histoire. J'ai eu le cœur brisé à un moment, je vous jure, c'était fou. J'ai vécu l'entièreté du récit intensément. C'est en grande partie dû à la poésie de la plume de Lenny Taylor. Je ne veux pas trop en dire parce que moi je suis rentrée dedans comme ça, sans savoir du tout dans quoi je m'embarquais et j'ai été complètement emportée. Mais pour ceux qui aiment tout de même savoir un petit peu de quoi il en retourne, on suit Laszlo, un jeune garçon qui, après des années de vie un peu cachée dans la grande bibliothèque de Zosma, va se retrouver embarqué pour la plus grande aventure de sa vie, celle qui va lui révéler le sens de son destin, de ses rêves, de sa quête. Puisqu'en effet, depuis son enfance, Laszlo étudie la ville de Désolation, qui le fascine alors que le monde entier semble l'avoir oublié. Jusqu'à ce que les guerriers Tizerkan venant de la cité oubliée. Fassent leur apparition après avoir disparu pendant deux siècles. Je veux même pas vous en dire plus parce que déjà je saurais même pas par où commencer et aussi je déteste spoiler des éléments d'histoire donc normalement ça n'arrivera jamais ici, rassurez-vous. Lenny Taylor nous offre un monde captivant, elle nous présente une mythologie unique, hyper dense. Le livre aborde très justement plusieurs thèmes sociétaux, euh, notamment le poids du passé avec des événements commis par nos ancêtres qui pèsent parfois injustement sur les générations suivantes. Euh, mais je tiens à préciser que l'histoire n'est aucunement un prétexte pour parler de tout ça, ce qui se ressent en général très vite dans un roman, et pas toujours pour le meilleur. Ici, je dirais plutôt que le récit provoque ça. Enfin, Lenny Taylor nous écrit une splendide histoire d'amour, comme de celle qu'on voit rarement dans un récit. Elle n'est pas du tout au cœur de l'intrigue, mais en même temps, elle a une place essentielle dans le récit. Et moi qui appréhende souvent la romance dans les livres, notamment en fantaisie, j'ai juste assisté à la naissance d'une histoire pure, belle, délicate. Les personnages sont criants de vérité, on se retrouve à avoir foi en eux, à les admirer, à les haïr du plus profond de nos êtres, ils sont complets, complexes, et l'autrice réussit à nous les faire s'imaginer à la perfection. C'est impossible de ne pas visualiser la terrible Minia, euh, le courageux Laszlo, la douce Mésange, ainsi que tous les autres. Cette biologie est juste splendide, alors entrez-y comme dans un rêve, mais gardez les yeux bien ouverts. Donc voilà mon top de lecture pour l'année 2023, qui a été riche en découvertes, en émotions. J'espère que j'ai pu vous donner envie de découvrir certains titres. Et maintenant, parce que j'aime trop noter mes statistiques en lecture, voici un petit récapitulatif de ce que mes livres lus donnent en chiffres sur cette année 2023. J'ai lu 92 livres, ce qui prend en compte les romans, les essais, mais pas tout ce qui est graphique. 34 d'entre eux ont été lus sur papier et 58 sur liseuse. 24 ont été écrits par des hommes et 68 par des femmes. 53 sont des livres d'auteurs français et d'autrices françaises et 38 d'autres pays. J'en ai lu 91 en français et un en anglais. 64 de ces livres étaient des one-shot, donc des livres en un seul tome, et 28 étaient des tomes de saga. Alors, je crois que là-dedans, je sais plus, mais quelque part, il y a une petite statistique qui s'est perdue. Donc, si on fait le calcul, je crois qu'il y a un endroit où ça fait que 91 livres. Euh, tant pis, vous avez compris l'idée. Cette année, je n'avais pas noté à quel genre littéraire appartenaient les livres que j'ai pu lire, mais c'est quelque chose que je vais faire en 2024. En tout cas, j'aime bien voir ce que donne la répartition de mes lectures c'est assez marrant de constater les écarts. Par exemple, j'aurais pas du tout pensé lire autant de livres d'autrices euh, ou de livres français. Pour 2024, j'aimerais lire plus en anglais, surtout parce que j'aimerais vraiment que la lecture soit plus fluide pour moi. Et aussi, c'est l'occasion parce que je viens d'emménager au Québec pour deux ans et qu'ici tout le monde est bilingue. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de passer à côté d'éléments importants de l'histoire et de, ouais, de pas tout saisir. Et maintenant, je suis prête pour une nouvelle année pleine de belles lectures, et je dois d'ailleurs avouer que j'en compte déjà une ou deux très chouettes. J'aimerais trouver du temps pour lire, bien que ma situation ait beaucoup changé dernièrement avec mon déménagement. Un nouveau travail à trouver, et j'espère que je pourrai trouver du temps pour ma passion. Cette année, je voudrais aussi lire plus d'essais, de livres documentaires, parce que j'ai découvert que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, surtout quand ça vient ponctuer comme ça mon année de lecture. J'aimerais également découvrir plus en profondeur la science-fiction. C'est un genre qui m'intéressait pas du tout avant et voir que je rejetais complètement, mais aujourd'hui il me fait vraiment très envie. Alors j'ai mis quelques livres du genre dans ma palle pour cette année. Je vous souhaite une très bonne année livresque, mais pas que plein de belles découvertes et de merveilleuses lectures. Pour avoir une liste exhaustive et complète de mes lectures, vous pouvez aller faire un tour sur mon Babelio, qui est l'appli où je répertorie toutes mes lectures. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à suivre le podcast et le compte Instagram associé, disponible dans la description. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Je débute dans le podcast et je suis vraiment attentive à vos conseils, vos remarques sur la qualité du son, du montage. Donc vraiment, ce sera avec plaisir que je lirai tout ça. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.